Je salue tout le monde du secteur privé, au sujet civil qui vient là. Je salue et je remercie nos groupes qui ont fait des passants à la journée aujourd'hui. Ça a le droit d'un cœur. Là, le droit d'un cœur. Parce que c'est la première fois que je parle du papa publiquement. Le papa mourir, c'est très certainement le jour le plus triste de ma vie. Et pour être capable de gérer ce stress-là, et gérer l'attention, je ne peux pas vraiment parler du papa. Même des carrés pendant que je suis premier ministre, je fais très rarement parce que chaque fois que je fais, je me casse. Et il rappelle des moments de joie très certainement, mais un moment très difficile. C'était le jour de mon papa. Parce que le jour de mourir, Ruben avec moi, nous partons en Haïti. Et il y aurait le téléphone, on s'en aimerait les mains, puis il dit, mais Laurent Koto est là. Il dit, Miami, ça gagne. Et puis il dit, mais papa va mourir. C'était le jour le plus triste de ma vie. Il n'y a pas personne qui a aimé une journée ça. Papa, docteur Lamotte, ton gros garçon, un grand homme de l'histoire de ce pays, pourtant qui passait inaperçu du grand public, mais qui était un potorique garçon, un géant dans la culture hispano-américaine. Et au monde, papa, qui, pour mon baron, c'est petit Louis Marval, petit en dehors Louis Marval, et Marie Laporte, qui était une marchande douce, qui était un pile problème dans la famille parce qu'elle était marchande, et que, qui s'est grave, et que parce qu'elle était marchande, et bien, personne ne va l'occuper, et il était relié carrément. Eh bien, c'était grand-mère. Et papa fait toute ville, la travail avec frère Louis Lamotte, qui fait village Lamotte, qui est dans Delma 33, par exemple, tout Delma 31, Delma 33. Et Péguyville, pour mon qui va connaître, c'est mon nom qui fait Péguyville, Péguyville, c'est ton ami, qui a dit Péguyville. Eh bien, Louis Lamotte, c'est tout frère Delma 33, frère Lioville. Mais papa, c'est plus mon littéraire. Pour nous quitter dans la littérature, dans la littérature, pas l'espagnol, la littérature hispano-américaine. Donc, le monde qui dit papa qui s'est arrêté, papa me dit seul s'est arrêté, c'est qu'il y a des bourses qui vont payer les études au Chili. Il dit la paye, seul bagage, à condition que l'on tourne, il dit à la ravelle. Donc, chose dit, chose faite, papa m'a allé étudier au Chili, et puis l'on retourne. La travail avec mon oncle, oui, mais il n'a pas voulu ça. Il était voulu, il était coué dans la culture hispano-américaine. Donc, il était fait une partie de son doctorat en Espagne, dans l'Université de Madrid, en littérature hispano-américaine. Et il est retourné en Haïti en 1957 pour le devenir ouvrir l'Institut d'Obédi Vega. Tout le monde pense que c'est fou. Parce que le commence à un institut avec trois élèves. Trois élèves. Tout le monde a demandé, mais lui, il est fou. Monsieur Campé, il a persévéré jusqu'à ce que l'institut ait 300, 400, 500, 600, 700 élèves. Et puis c'est l'institut qui paye l'école. Hein. C'est l'institut qui paye l'école Rouben, qui occupe la famille. Hein. Et avec tout petit travail de l'État avec Frère Willy, il y a eu une situation moyenne qui a permis quand même pour le dégager. Et docteur Lamotte, j'en ai dit dans la vidéo, c'est un monde qui a une famille, une petite vie. Pour Ruben, il fait un pile compte avec un pile monde dans la tennis pour Ruben. Jusqu'à ce que tu aies un fils qui a Ruben fait un match, après le final du championnat d'Haïti. Et puis. Alors, papa, c'était mon fils. Mais fils enragé contre Ruben. Ruben, qu'est-ce que tu as besoin? Ma mère-t-il, dans le final de la championnat d'Haïti, et puis, papa, il y a une tension
tension dans match là ou ben presque a gagné et puis m'a metti la remonter et puis don dame qui là chaque fois m'a metti le fond un point il dit bah yo calé la botte va pas dire hein il faut aussi et puis il y a un moment ou ben gagné un point dame a levé dame a dit calé la botte et puis papa me dit ou ben ne t'occupe pas de cette fille à la poitrine d'éléphant. Alors, fille de bien. Après ça, frère, fille, a sorti pour le cas de papa. Mais à l'époque, ça a m'a donné ma coupe dans le papa, peut-être bien avec ma coupe. Il a dit, papa, je sorti. Enfin, j'ai décidé, ensemble avec mon groupe, amis, pour créer une fondation, Dr. Louis Laporte, pour créer une fondation pour être capable d'honorer les mémoires pour tous les garçons qui mourent dans des conditions qui sont pas acceptables. Parce que le problème de l'hôpital qui est dans le pays, il y a dans n'importe quel pays, n'importe quel autre pays ne peut pas mourir. Monsieur est disposé à 3h du matin. Il était pour moi dans le cas-là. Il est venu joindre à 9h du matin. Il est évanoui. Il est mené à l'hôpital. Il est mené à l'hôpital. Il est mené à l'autre docteur. Il est mené à l'autre docteur. Et puis, je viens mourir à 5h de l'après-midi. Ouais. Donc, après, mon ami, si ça arrive à la mort, allez, ouais, pour les quatre dans la troisième section. Et c'est ça qui réveille dans mes tout. Un sentiment de changer. Bah, et ça m'a essayé de faire, même des premiers ministres. C'était chaque jour, chaque temps qui passait pour me faire un pas dans la bonne direction. Un peu, nous pas de problème qui s'est dit, un peu, nous avons dit un bruit, ça m'a géré comme ça, etc. etc. Mais un peu, nous pas de problème côté de sortir, côté de me aller. Et côté de me aller, c'est juste aider les gens qui n'ont pas gagné. C'est aider le pays, c'est pas payer en meilleure image. C'est faire nous tous qui la grave fier de pays. Même si moi-même, nous sommes dans différentes vidéos, moi-même, moi j'étais fier de pays. Moi, je représente le pays ensemble avec Patrice Béguer qui l'a. Et Patrice, dans la vidéo, je vais venir à Haïti. Mais qu'on a Patrice qui connaît pour moi, que à l'époque. Même des animés de désir ça. Et je vous dis, tout ça a été traduit à travers la Fondation Dr. Louis Gilamot. Fondation ça a décidé pour lui concentrer sur quatre secteurs et que lui jouer un rôle dans think tank. En plus de programmes pour nous aider troisième section sous ça, pour nous bailler route là et route là son contrat de Fondation Digicel que nous faisons encore avec lui. L'école là, nous avons parlé avec Fondation d'appui à l'éducation qui travaille avec nous pour l'école là. Fondation Digicel, son partenariat multiple que nous avons fait pour que et toute l'autre fondation qui l'a, tout le monde qui l'a, tout qui voulait aider, participer avec nous sur l'école là, eh bien, Fondation ouverte à ça. Parce que hier, dans l'école là, où elle n'a pas marché, elle est maintenant quand même donc fatiguée. Ma vidéo, elle a 4 heures de marché là. Sous moi, côté nous, donc c'est en bas, il est facile. Mais nous faisons quand même. Nous allons à 8h30 du matin. L'heure de sortir dans le paillot, il était 2h30 de l'après-midi. Dans le marché. Descendons, nous montons. Ensuite, nous allons prendre un petit café, tout, car on peut Lionel, qui prépare un bon café pour nous. D'ailleurs, le café, ça, à travers le chef David Destilo, monsieur a commercialisé le café, a acheté dans mes paysans. Pour que le café ça me garantit que le café ça bon pas les polémique parce que on est en pile dans produit de café c'est des gros intérêts mais si café n'a pas rôle là pas rien pareil ça me garantit ça et ma courage nous tout pour na dans giant pour dans giant il dans d'Haïti on va voir ça c'est nous ça va. Et nous avons vu dans différents hôtels pour nous capables de commercialiser, pour nous aider
Et c'est pas ça l'objectif là. C'est créer une stratégie qui est soutenable. Pour que les paysans, pour que les petits gens qui sont dans la banlieue, pour que nous soyons dans le même meilleur. Ce n'est pas un bail pour un bail. Nous baillons, ça n'est capable. Mais il faut que nous arrivions dans une situation pour que nous puissions permettre aux paysans de produire, pour que les produits soient capables de nous côté pour nous démarcher, pour nous vendre les produits de manière stable et pour nous jouer dans le gré. Donc, bien votre ministre de l'Éducation nationale là. D'ailleurs, je remercie le ministre. Et le ministre Simaniga qui là. Je remercie le ministre parce que dans la première visite que j'ai faite dans l'école là, que nous avons là, c'est mon problème de paiement professeur. Il y a 4 professeurs dans l'école qui n'ont pas touché. Donc, je remercie le ministre rapidement, le ministre a fait le nécessaire. Et le ministre, je remercie vous. Je vous dis à professeur, vous êtes content. Donc, travail à la fête. Je remercie vous. Fondation, on peut le concentrer indépendamment du travail que nous allons faire dans la troisième section sous ça. Nous allons tout concentrer sur 3 domaines en dans la section communale. Nous allons concentrer nous dans le domaine, bien entendu, entrepreneuriat agricole. Nous allons concentrer nous sur la reforestation, reboisement. Nous allons concentrer nous sur l'éducation et nous allons assurer nous que dans moins de 2 ans, nous avons besoin que la localité vienne libre d'analphabétisme. Ça veut dire que nous allons créer un programme avec coopération avec Uber, qui dit qu'il a aidé les paysans dans un programme d'alphabétisation. Centre santé à tout, c'est même pareil. Et l'école là, nous allons faire des multi-partenariats avec l'autre fondation pour nous arriver à refaire l'école. Daniel. Parallèlement à ça, ça arrive Mme Tordu, Mme Djiri. Tordu, député Djiri Tordu, il a. Mais tout, voulez que c'est que c'est important pour le pays que nous gagnions un centre de réflexion. Un centre de réflexion pour nous capables de débattre, pour nous capables de faire des échanges. Pour cette année radio, on a voyé monter, ceci, cela, pour nous un centre d'échange et de débat. Pour discuter de ça est important dans le pays. Par exemple, nous sommes capables de faire un dialogue entre des experts pour nous qui sont pour améliorer la position Haïti avec la République dominicaine. Qui impact le changement climatique est capable de gagner sur Haïti et qui stratégie est capable de mettre en place pour contrecarrer l'impact ça. Nous sommes capables de tout mettre sous pied. Qui stratégie que capable qui ça que financement innovant capable faire pour aider l'économie et tout nous capable discuter de qui stratégie de agriculture intelligente que capable appliquer dans le pays pour nous capable vivre autosuffisant dans la question sécurité alimentaire là dans la question production. Donc tout ça c'est des échanges, des dialogues qui qu'on fait et nous parler de faire des partenariats avec l'autre centre de recherche dans ce sens-là, pour que nous soyons capables de venir avec ça des livres blancs, ça des position papers, pour qu'on ait une alternative tout, à quel que soit le décideur qu'il a. Nous ne disons pas que nous sommes d'ailleurs des experts, des chercheurs internationaux et locaux qui ont venu, qui ont discuté des grands défis. Et grands défis, le premier ministre, ce n'est pas le job premier ministre seulement pour résoudre le problème, c'est le job nous tous. Moi-même, t'es le premier monde qui était là pour résoudre, mais c'est le job chaque haïtien qui pour résoudre le problème pays, non. C'est pas blanc qui a résoudre le problème pour nous. C'est pas blanc pour venir dire nous qui position pour nous prendre envers la République dominicaine. Pour nous être plus compétitifs, pour produire nous capables d'exporter. Parce que nous avons qui ça le problème, nous, pour nous stabiliser le goût là. C'est pas des problèmes politiques, c'est des problèmes qui affectent les populations. Hein. Chaque jour, on dit. Et contribution nous tout important. Donc, si vous voulez think tank ça, ou centre de recherche ça, libéral fait partie d'activités fondation qui peut lui-même venir au centre de dialogues ça, pour arriver à des solutions, à des discussions, à des échanges d'idées. Pas des échanges d'idées politiques, parce que ce n'est pas dans la politique nous allons faire. Nous allons faire comme haïtiens qui remet le pays nous. Parce que Haïti, c'est pas nos liens.
nous avons l'autre pays pour aller. Et il faut que nous suspendions le pays à tout à compte de transit. Parce qu'en pile monde, le pays a un compte de transit. Donc il y a très peu de monde qui investit dans le pays, qui investit dans le pays. Et vous voyez que vous avez là, un petit business pour aller à Miami, ou bien pour vous étudier de l'autre bord, ou bien si vous allez à l'autre bord, c'est pas ça. Il faut commencer à réfléchir pour l'autre gens. Parce que le pays, quel que soit ce qui passe, moi-même, quand je voyage dans un pile pays, chaque pays voyage, les gens qui l'autre bord ont besoin de tourner ici. Les gens qui sont ici ont besoin de l'autre bord. Donc, qui sait, quand il vient de nous là, il vient de nous que faut investir dans le pays. Que faut nous investir non seulement de manière économique, pour ça capable, ça pas capable, pour investir dans la tête. Parce que si chaque haïtien investit dans la tête, si chaque haïtien, eh bien, développer la capacité humaine, le pays a un bon pays. Et c'est pour ça que je voulais vous dire que, en plus, mon gars dit, ah, c'est politiquement fait, même fait fondation, et tout pour une ceci. J'aime dire, je n'ai pas besoin d'un premier ministre pour m'aider si mon gars a besoin dans la vidéo. Parce que lui fait mal. Lui fait mal que moi, ben, si mon gars vive, a marché 2h30 pour arriver dans l'école. Imagine si le soleil est couché, que par exemple arrivé la caillou, imagine si vous malade, par exemple santé dans les autres, non, pas besoin d'un politique pour me capable d'aider, si je suis capable, si vous êtes capable. Et si chaque monde est capable de faire le bout de 10 mois dans l'autre pays,